Voilà. Donc, 23 € pour le prix. Donc, vous avez un exercice de mise en état d'accueil de proposer dans ce livret. Et vous avez donc différents tirages de cartes, modèles de tirage de cartes de proposer. Donc, vous avez tirage d'une seule carte, la carte oracle. Tirage du jeu 5 phases, alors entre parenthèses, un jeu parce que ce n'est pas un jeu. Le tirage transformation. Voilà, donc vous en avez deux au final. Une, deux. Et nous, vous avez donc des explications parce que les cartes sont divisées par catégories. Et donc là, vous avez donc les interprétations. Hein, voilà. Voilà, les interprétations. Alors, je vais vous présenter les différentes catégories qu'il y a hein, dans ces cartes-là. Alors, nous avons la catégorie ombre qui est une catégorie bordeaux. Vous avez la catégorie émotion qui est une catégorie bleue. Vous avez une catégorie lumière qui est une catégorie orange. La catégorie ressources qui est la catégorie jaune. Et la catégorie transformation qui est la catégorie rouge. Donc, bordeaux. Donc après, vous allez voir hein, par la suite. Donc pareil, on fait attention quand on mélange des cartes et il y a une façon pour les ranger, donc façon spirituelle, pour les ranger au niveau de la purification spirituelle. Alors, du coup, les cartes ombre, donc l'ombre est personnifiée par un archétype, c'est-à-dire un personnage universellement reconnu dont nous portons la trace plus ou moins fortement, et qui est lié à ce que nous vivons ou ce que nous redoutons. Ensuite, nous avons la catégorie bonjour. Émotion. Ces cartes permettent de percevoir le sentiment qui est resté dans l'ombre, la peur, la tristesse, la colère, etc. Autant de blocages qui empêchent toute notre énergie vitale de circuler pour être vraiment soi. Ensuite, la catégorie lumière. Ces archétypes lumineux sont issus des contes et légendes de notre inconscient collectif. Ils symbolisent notre partie subtile. Ces guides sont prêts à nous éclairer et à nous apporter l'aide dont nous avons besoin, car ils savent déjà ce qui est le mieux pour nous. Ensuite, nous avons la catégorie ressources. Ces cartes offrent la possibilité de rêver.